أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs je vous salue tous Alhamdulillah Rabbil Alamin après avoir reçu certains messages il y a des frères et sœurs qui m'ont demandé Comment pratiquer les secrets pour être aimé? Parce que il faut toujours être aimé. Il y a deux qualités de secrets qu'on doit tout le temps pratiquer ça. Oui. Après avoir reçu beaucoup de messages, ces secrets, chaque personne qui pratique ça, la personne va avoir forcément élévation en amour. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout simplement, les deux secrets qu'on doit tout le temps faire, c'est d'avoir des envoûtements durant la vie, une seule fois. Parce que des envoûtements, il ne faut pas trop l'utiliser. Voilà, il y a des gens, peut-être, ils n'ont pas eu de l'ouverture, ils pensent qu'ils sont envoûtés. Bon, quand on est envoûté, ça peut nous bloquer tout. Il n'y a pas pire chose dans la vie qui est, sauf si on est envoûté. Parce que tout ce que l'on fait, ça ne marche pas. Les gens ne nous aiment pas. Tout ce que l'on fait, ça ne marche pas. Même pour gagner l'argent, ça bloque. Donc, il faut pratiquer les secrets pour se faire désenvoûter. Mais il ne faut pas trop l'utiliser aussi parce que ça peut nous fermer aussi dans les cas contraires. Donc, ces secrets, j'ai décidé de vous les donner. Toute personne qui pratique ça va avoir élévation en amour. Parce qu'il y a des gens, on peut vous donner des secrets pour être aimé. Vous allez être aimé pendant 5 ans, 6 ans, ça va finir. Mais ça, chaque personne qui pratique ça, jusqu'à la mort, tu seras aimé par tout le monde. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ces secrets, comment faire pour les pratiquer? Je vous ai dit plusieurs fois, plusieurs vidéos, il faut tout le temps être aimé par les humains. Parce que même si on travaille, même si on ne travaille pas, même si une femme qui est mariée, pour avoir la tranquillité, si les gens t'aiment, c'est fini. Ou bien celui qui n'arrive pas à se marier. Donc, il faut être aimé. Aimé, ça ne veut pas dire avoir beauté physique, non. On peut être aimé même si on est vilain. Les gens veulent être avec nous, ils veulent nous aider, ils veulent nous parler. C'est comme ça. Voilà, ils veulent nous voir. C'est bien dans la vie. Donc, tout simplement, pour avoir élévation en amour, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez écrire Fidji Diha Ya Wadoudou Ya Raniyou 1111 fois. Vous allez écrire Fidji Diha Ya Wadoudou Ya Raniyou 1111 fois. Après ça, vous allez écrire Fididiha ya hayu ya hayum. Vous allez écrire ça aussi 1111 fois. Vous allez mélanger les deux nasila. Après avoir obtenu les deux nasila, maintenant vous allez vous laver avec pendant 41 jours. Pendant 41 jours. Au bout de 41 jours là, il y a des zikr à faire. Les zikr sera seulement chaque soir. Les mêmes que vous avez écrit, Fidji Deha, vous allez commencer par ça. Fidji Deha, ya hayyu ya hayyum. Ismul azamul kebir, c'est hayyul hayyum. C'est ismul azamul ça. Donc après, vous allez lire Fidji Deha, après Fidji Deha, ya hayyu ya hayyum, 1111 fois. Maintenant, ya wadudu ya ghaniyu. Mais là, vous n'allez pas faire. Fidji Deha Ya Wadoudou Ya Raniyou. Là, vous allez faire Ya Wadoudou Ya Raniyou. Ya Wadoudou Ya Raniyou. 1111 fois. Vous allez faire les écrans pendant 41 jours. Vous-même, vous allez remarquer quelque chose chez vous au bout de ces 41 jours-là. Ce n'est pas fini. Ceux qui ont obtenu ces nasis-là, c'est pour facilité. Voilà. Ceux qui sont genre Afrique ou qui peuvent avoir, il y a une plante, on dit sana.
Donc, il y a sana, il y a qualité de flair qui sort. C'est ces flairs-là que vous allez chercher. Les transformer en poudre, les mettre dedans. Et aussi, il y a une plante qui sort dans l'eau, on dit Ngoku. Vous allez les transformer en poudre, les mettre dedans. Ce n'est pas forcé de mettre ça. Ce n'est pas forcé de mettre ça. Donc, vous allez vous laver avec pendant 41 jours et faire les écrans. Inch'Allah, c'est chaque personne qui pratique ça avec croyance. Il faut toujours avoir confiance en Allah. Chaque personne qui pratique ça avec confiance et croyance, vous allez être aimé par les gens, ce qui ne va pas finir quoi. Et puis vous allez avoir élévation en amour. Élévation en amour. Même si vous êtes quelqu'un qui est dans un lieu de travail, personne ne te considère, personne ne veut être avec toi. Aussi, tu n'arrives pas à tenir debout. Les gens ils viennent te trouver dans un... société, ils passent devant toi, tout le monde. Donc, pour chercher tout ça là et avoir élévation, vous allez faire ça. Même si quelqu'un qui ne fait rien, donc pour avoir gagné, voilà, élévation, vous pouvez faire ça. Que Dieu nous protège.